Bonjour, monsieur le président. Oui, d'accord, bonjour. Tomoni, batoyi de peste tani na ba réseaux sociaux, baza kofinga yo. Pona nini baza kofingo, lingi koloba nini. Et kamuni yo koko ba, kse koloba pona, ben surtout wana ba mo baza kosala. Ben, je comprends. Bazo fingangai na Jean-Pierre Bemba. Mais tout ça, nini. Ngai na na jérate. Na sali pe lo kumo ya mabete. Na joie pe mbongo ya mutu te. Na kota ka pe makama na mutu. Babe nga hanga na jere na bi. Bozo ki ba pouvoir na ndenge na binu na kota maso na binu te. Me na kamwe. Ba na IDPS bazo finga nga butu mo. Banda 4 di mate. Ti siko na yeba te. Bazo finga nga po na nini. Po so na fingi ba mbwa. Ba prezant ngo. Kandida prezant ngo a finga ka batu. Na na mwa zo tina ba mbwa finga nga. Naza ni moto ya seni. Naza ni seni. Na sala na invalida kabatu te ngai moko pe nazala même situation ke bango na yebi pe sor na ngate na zota la kaka seigneur be proclamer soki na minu soki me quel est mon problème là dit ba retenir nga ba retenir nga te je vais ma foutre je vais oublier les 5000 dollars ici ndingon to ye na politique po to gagner mitema ya batu to ye po na kofinga te pousser quelqu'un à commettre l'infraction, c'est une infraction. Mais bah, on va se bomber dans les réseaux sociaux. Ka kofinga, 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 nga na kombo ya Félix. Mais je me demande, nga na Félix, c'est toujours un problème. Félix, c'est à moi na vie, nga. Bah, on va komi na kata ba réseaux sociaux. Ka kofinga bato. Ti ezo pousse na biso pe to finga bango. Mais ce n'est pas du tout gentil. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai déposé ma candidature à bonne due forme. Que je gagne, que je perde, c'est moi. Cela engage que moi et mon parti politique, le MDECO. Et vous n'avez jamais vu un membre de mon parti en train de citer. Mais pourquoi vous avez cette éducation? Hein? On ne peut pas créer un parti politique pour des injures, mais vous êtes là que pour des injures. Vous dites que vous êtes un grand parti, mais un grand parti doit avoir des gens bien civilisés, bien organisés. Vous avez décrit ici. Nous sommes un parti de non-violence. Bon, les non-violences, ce sont des Rwandais qui me citent, oh ben c'est vous. Mais quand je vois les noms là, c'est vous. Non, changez. L'adversaire, c'est le pouvoir à place. Et non, Mokia, moi je n'ai jamais géré. Je n'ai rien à voir dans la gestion. Moi je suis comme vous. J'élite aussi pour conquérir le pouvoir. Pour le compte de mon parti, puisque je forme très bien des militants disciplinés. Des militants de MDECO, ce sont des militants à féliciter partout dans le monde. Mais vous, les jeunes militants, je ne sais pas de quel parti politique. Non, évitez ce genre de comportement. C'est comme ça que vous allez demander au peuple de voter votre candidat. Parce que les gens vont comprendre que ces candidats-là, ils forment que des militants pour les agir contre les autres. Moi, j'ai au moins 64 ans. Mais cité, ça tirait de la malédiction. Hein? Mais cité, pourquoi? Je suis président des partis politiques. Regardez ce bureau, ça fait 38 ans que je suis ici. 38 ans. J'ai l'expérience dans les affaires. J'ai l'expérience dans la gestion. Je ne suis pas un malandangour. Hein? Vous ne m'avez jamais vu et vous ne me verrez jamais chez Kabila pour demander de l'argent. Mais pour réclamer mes créances, plus de 30 et quelques millions de dollars, oui. Là, je réclame mes créances parce que j'ai travaillé dans ma vie pour ça. Je ne peux pas suivre 500 ou 600 000 dollars. 500 000 dollars, 100 000 dollars, 120 000 dollars, c'est le ministère Ben Yamambo qui me doit. Incapable. 355 000 dollars, ce sont les affaires de Mobutu qui me doivent. Incapable de payer. 106 000 dollars, c'est Rouberoua. Le Mwanyamulenge Rouberoua qui me doit, bien qu'il est ministre, il n'est pas à mesure de me payer. Vous voyez que moi, je suis un homme pour chercher de l'argent. Moi, je ne cherche pas l'argent. J'ai cité ces gens-là. Va les contacter. Va les poser des questions. Poser les questions aux enfants de Mobutu. Poser les questions à Azarias Rouberoua. Poser les questions au ministre Ben Yamambo. Ils me doivent de l'argent. Alors, comment maintenant vous me prenez comme cible des injures, des menaces? Si vous êtes au pouvoir, vous allez les tuer. Même je suis là, venez me tuer. Vous verrez aussi qui est Mokia. Vous parlez de loi. Vous croyez que nous n'avons pas de militants pour tuer. Nous avons aussi des militants capables de faire ce que vous êtes en train de vous vanter.
La plupart ne sont même pas mes amis, ne sont même pas mes amis dans le Facebook. Ce sont des gens qui entrent dans nos conversations par fraude. Mais vous, c'est commencer à nous insulter. Vous m'insultez, vous êtes qui devant moi? Alors, élections, vous êtes un grand parti. Si vous allez gagner, vous gagnez. Nous allons nous soumettre, on va voir comment vous allez gérer. Si vous gérez mal, nous allons commencer à vous critiquer. C'est la même chose comme vous faites à Kabila. Nous allons aussi le faire. Si moi aussi, j'ai devenu chef de l'État, vous m'assimilez. Oh non, vous ne pouvez pas être chef de l'État. C'est vous qui donnez les statuts de chef de l'État aux gens. C'est le peuple, c'est l'Assemblée. Le peuple, ce n'est pas un parti politique. Le peuple, c'est le Congo. Tout un peuple, toute une nation donne le pouvoir à une personne. Si vous donnez avec vos injures le pouvoir à votre leader, vous croyez que vous allez gagner. Vous n'allez pas gagner parce qu'il y a eu des élections dans ces pays ici. Les gens que vous vantez comme s'il n'y a que eux qui ont la popularité ici, ils n'ont pas pu avoir le pouvoir. S'ils avaient la popularité, ils auraient dû se présenter à l'élection présidentielle, aux élections présidentielles passées. Mais ils sont là comme moi. Mais vous me citez pourquoi? Hein? Vous racontez de n'importe quoi sur moi. Est-ce que vous me connaissez? Journaliste, montrez un peu mon bureau. Moi, je suis ici dans ce bureau pendant 38 ans. 38 ans dans ce bureau ici. J'ai eu 7 enfants, toujours dans ce bureau ici. Toujours, je travaille dans ce bureau. Mais je ne suis pas un malandangourou ni un parvenu. Mais ça, c'est encore le petit bureau. Mais j'ai un grand bureau qui aucun opposant en a, en haut là-bas. Hein? Je suis en train de travailler pour en finir mon bureau. J'ai un grand bureau, un très grand bureau que vous n'en avez pas. Mais pourquoi toujours des insultes contre moi? Hein? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi des insultes? C'est ainsi, je demande à la population, regardez des militants des partis politiques que vous allez choisir. Des militants, ils sont là, sans respect, mal éduqués, des gens qui se croient qu'il n'y a que eux au Congo, si ces partis politiques n'est pas là, donc le Congo ne peut pas exister. Avant la création de ces partis politiques, le Congo n'existait pas. Qu'est-ce que vous représentez? Kabila, vous avez menacé Kabila jusqu'à ce qu'il vienne de jeter l'éponge. Mais il est parti de lui-même, après deux mandats. Et demi. Mais vous ne l'avez pas chassé. Hein? Mais nous avons combattu Kabila. Il m'a arrêté 8 fois. J'ai tout perdu dans ma vie. Vous avez perdu quoi? Dis-moi un peu. Vous avez perdu quoi? J'ai perdu mon fils. J'ai perdu mes immeubles. J'ai perdu plus de une vingtaine ou 30 millions de dollars qu'on a décidé de commencer à me payer petit à petit. Mais vous représentez quoi? Qu'est-ce que vous avez d'intelligence plus que moi? Dis-moi un peu. On juge quelqu'un intelligent par ses œuvres. Moi, j'ai pris de 30 ou 40 millions de dollars que je réclame à l'État congolais. On me paye 200 000, on me paye 300 000, et tout ça. On va commencer à me payer petit à petit. Si je trouve qu'il ne paye pas, je vais amener ça à l'étranger et je vais bloquer les comptes. Et si on commence à me payer, je ne vais pas salir mon pays, je vais laisser. Vous avez quoi? Dis-moi un peu. Qu'est-ce que vous avez? Demandez à M. Kabila, demandez à ses services. Ils savent ce que moi j'ai. Moi qui n'ai pas quelqu'un que vous pouvez appeler le soir, venez. Oui, si vous êtes mon ami, on s'est donné 200 dollars, 300 dollars, 500 dollars, tout ça. Mais le pouvoir ne peut pas m'appeler parce qu'ils ont essayé, mais ils ont échoué. Mais pourquoi tout le temps des injures contre moi? Qu'est-ce que moi je vous ai fait? C'est mon bureau de travail. J'ai des militants comme vous. Le Conseil national a payé l'argent pour que je puisse lui représenter le parti à l'élection présidentielle. Mais vous, quel est votre problème? Est-ce que moi j'ai un problème avec Félix? Est-ce que je connais, je n'ai jamais vu Félix comme ça, on ne s'est jamais rencontré. On s'est rencontré qu'à la mort de Odeille de Maman Elang, Olang. Mais vous avez vu, il a fait un succès, moi aussi j'ai fait un succès. Hein? Nous étions que nous deux, des politiciens, Odeille de Maman Olang. Et cela ne vous dit rien. Avec la dynamique de l'opposition, Angile, vous avez vu? Ce n'est que mon tour où il y a eu des troubles. 3 morts. Je ne suis pas une personnalité politique à s'amuser avec. Vous me traitez de n'importe quoi. Je ne suis pas intelligent. Qui est plus intelligent que moi? Dis-moi un peu celui qui est plus intelligent que moi. On ne juge pas l'intelligence quand tu as vécu en France,
qui parle un petit français de la France et tu commences à se vanter. Venez faire le travail comme moi, 38 ans de travail. Mais je suis toujours fort. Hein? Laissez, nous attendons avant minuit, jusqu'à minuit, on va proclamer qui sera retenu comme étant président de la République pour les candidats président de la République pour les partis politiques. Laissez-moi quand même vivre la paix. Mais vous m'insultez, vous m'insultez, vous parlez, mais quand je vois les têtes de ces jeunes gens, ben c'est comme si... Non, je laisse ces mots-là. Alors, je vous conseille de commencer à applaudir les présidents de vos partis politiques. Laissez aussi les miens le faire pour moi. Mais ne déraillez pas. Ne quittez pas vos partis politiques pour venir troubler l'ordre dans l'MDECO, mon parti politique. Vous voyez, mes hommes, mes militants et militants sont beaucoup plus disciplinés. Ils vous trouvent comme des fous. Merci.